Ladies and gentlemen, bonjour à tous, c'est Dark Even et je vous présente aujourd'hui une nouvelle aventure modée. Elle n'était absolument pas prévue, mais c'était un sub goal, voilà, si on devait atteindre les 1000 subs, incroyable, elle est sortie. Et donc c'était à la communauté de choisir, eh bien, si cette aventure leur plaît ou pas, je vais la faire en live, donc vous aurez une vidéo sûrement ou quelque chose, ou soit ils auront décidé de ne pas la garder, du coup vous aurez peut-être juste un seul petit épisode qui sortira sur cette série modée solo, un petit peu comme FTB Academy, Abneycraft, on en avait fait, donc du coup on va ici maintenant, eh bien, d'en faire une nouvelle, voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez en tout cas. 1.16.5, je rappelle que je suis en live 24h et qu'actuellement il s'est passé 17h déjà. Donc si vous me voyez perdre un moment ou m'évanouir, c'est normal, hein, pas de problème si... Il faut y être, les viewers sont toujours là, ils s'accrochent, hein, comme des fous aussi, ils nous ont suivis pendant un bon moment, évidemment. Et c'est parti du coup pour All in One. All in One, voilà, c'est le début de cette série modée en 1.16.5. où on commence directement là-dessus. Et là, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Waouh ! The one block. D'accord. Je suis en créate ! C'est pour ça peut pas marcher. Hop, voilà. Ah d'accord, et donc là, en fait, on va pouvoir péter des trucs pour récupérer des ressources. Oh, ok. Voilà, et donc c'est tout se récupère sur un seul bloc pour pouvoir étendre ce que l'on a à faire. What? D'accord. Et c'est random les trucs qui viennent après? Oh, j'ai trouvé un cochon! Ouais! Et en fait, tu chopes des trucs au fur et à mesure pour augmenter. C'est un genre de skyblock, mais avec plein de trucs. Et en fait, tu vas augmenter le niveau de ton skyblock au fur et à mesure pour pouvoir augmenter. Ah, mais attends, mais il y a des arbres, il y a des trucs en bas. C'est terrible. Wouah! Coucou YouTube! Merci Firmin pour la Sainte Nantes! Ouais, j'étais en créate, ouais, je m'étais mis en créate pour pouvoir commencer tranquillement sans qu'il y ait de problème. Ah, je peux pas péter ce truc-là, d'ailleurs. Alors, il y a du bois living root. Ça s'appelle root. Je peux pas casser le truc, mais oh. Est-ce que je peux péter cette racine? Ok. Alors, on a des roots. Oh, et on peut faire du oak sapling avec de la racine. Oh. Attends, je vais tomber. Donc ouais, l'idée, en fait, c'est qu'on... Le principe du modpack me plaisait bien, et en même temps, j'étais un peu en mode, ouais, est-ce que c'est dur, est-ce que c'est... J'arrivais pas trop à me faire une idée là-dessus. Et voilà, donc l'idée, c'est, ouais, tu récupères tes blocs, en fait, par rapport à ça, et en fait, tu vas avoir plein de niveaux au niveau du truc. Voilà, tu vois, block mined 34. Donc là, on voit les blocs que j'ai minés. Blueprint package. Ah, j'ai reçu les blueprints. Can be used anytime. BKX blueprint. Blueprint, paper, machin. D'accord. Ça s'utilisera plus tard, j'imagine. Je dois avoir des quêtes quelque part. Ah, voilà. Quête, voilà. Donc là, la quête... Ah, place of... Voilà, getting started. Pardon, excusez-moi. J'avais des quêtes à faire et j'ai complètement oublié de les faire. Voilà. Donc, première quête. Voilà, bah, il fallait juste que je clique droit sur un bloc pour placer le one block. Ok, j'ai placé le one block. Voilà. J'ai fait tout dans le désordre parce que je suis fatigué. Donc maintenant, je ferme. Voilà, getting started. Et là, on attaque avec Flatland. Voilà. Donc là, il faut que je mine 128 de dirt. Voilà. Donc là, je vais avoir une mission. Là, j'ai du sable à récupérer. Récompense du sable orange. D'accord. La Animal Bread. Ah d'accord, et on a des récompenses aussi. Donc on va avoir des quêtes en fait, hein. Underground, etc. Donc il y a plein de minerais, plein de trucs, hein. On est en 1.16.5 comme je l'ai dit. Les abysses, etc. Donc les trucs à faire au fur et à mesure. Donc pour l'instant, bon, il faut de la dirt et tout. Alors j'ai essayé de faire... Il y a des routes en bas, donc je peux faire du coup... Oh, c'était quoi? Parce que c'était... Il y a quelques trucs quand même à faire. Donc ce qui peut être très sympa. Ok, donc là on a un oak sapling, super. Alors, on va essayer de agrandir un petit peu notre base. Alors ça, on est d'accord que la seule chose qu'on peut faire, floral fertilizer. Ah, d'accord, tu peux aussi t'en servir pour faire ça. Ah, ça peut être intéressant ça en fait. Alors là par exemple, j'utilise ça. Ah, mais c'est du fertilizer de Botania, je suis con. Ah oui, d'accord. Ah putain, on a même du dried kelp block, ok. On peut avoir tout et n'importe quoi là-dedans. Oh, j'ai fait popper un poulet. What? Trop fort. Non, je crois pas. Oh putain, un mouton. Eh vas-y, je vais popper des trucs, c'est une dinguerie. Il me faut un farmland et il me faut de la clé. Bon, la clé, c'est facile, on peut la faire. Ok, la clé, c'est validé. Près de 10 clés, d'accord.
32 clés. Il faut faire une wooden pickaxe, donc il faut attendre que ce putain d'arbre il pousse. Ok. Quest completed, warm blossom sapling. Ok. Et là il y a un autre truc, cobblestone. Pebble, shift right click on grass to get pebble. Hop, je fais du gravier comme ça. Mais comment ça fait nuit là? J'ai peur. Où en est la fatigue? Ça va, j'essaie de me concentrer sur une aventure BD et faire genre je suis en forme alors que c'est pas vrai. Mais sinon ça va. Eh oui, c'est incroyable, je pose des trucs. Oh là là. Ah, je suis fatigué mais ça va. Oh! D'accord. Ah oui, d'accord, tu peux tomber sur des trucs de ouf. Oh, les Kinder Surprise, Théma. Ah oui, il faut mettre de la terre, c'est ça le bon botanipot. Hop, on met la terre. Ah, grow time, 2 minutes. Ok. What? Eh, hey, on a changé de niveau. Pumpkin. Oh, le truc a changé de level. Alors, attends. On est passé à un nouveau mode, là? Attends. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le botanier, on a pu le planter là-dedans. Ouais. Là, ils disent qu'il faut mettre un hopper. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi, le craft? Dans ma quête, donc, on avait l'underground. Alors, après, ils demandent de faire des trucs en pierre, évidemment. Et du coup, on va la faire. C'est quoi ça? Rice bale. Ok. Donc la petite pioche en pierre. Ensuite la hache. Et ensuite la pelle. Déjà pour commencer. Ouh le lag. Ok. Il y a straw bale, plein de trucs de bale. Pétale. On a plus de dirt là. Carrot crate. Carrot crate. On a des caisses de carottes. Wow. Ok, nickel. Il y a le Nether, la Bumble Zone, il y a l'Abyss. Ah ouais, ok. On est déjà super long là. Dans l'Overworld, il faut que je fasse une Iron Axe. Ok, il y a full quête de ouf. Un breeding. Ah bah c'est vrai que je peux faire du breeding maintenant. Bah oui, je suis con. On a plein de bouffe de partout là qui a popé. Avec les bales. Ah bah je peux pas faire trop de breeding en fait parce que j'ai que le... Ouf. J'ai que les cochons. Alors je sais pas combien de temps j'en aurai. Alors les carottes... Oui, en mode sympa. Oh, sac de riz. Putain, mais... C'est ouf tout ce que tu drops. Bundle. Wow. Ah non, effectivement. Ah! Oh putain, enfin! Je croyais que j'aurais jamais de bois! Demandez du bois! Je vais me transformer en supérette là. Avec toute la bouffe que je récupère là. On va attendre encore un peu. C'est super dur en étant fatigué, je vous jure. Hein, parce que je sais que normalement je dois commenter, faire des trucs. Et des fois je suis ultra concentré. La fatigue, elle fait que je suis en mode. Ouais, bon, je suis fatigué. Donc je fais mon truc, hein, j'avance, mais alors. Je le fais en mode ouais. Il y a combien de modes? Aucune idée. J'ai pas regardé pour All-in-One. Bon, après j'ai de quoi me battre, hein, donc au pire les mobs ils pop. En fait ça m'arrange. Hein. Mais vous allez tous crever à chaque fois, putain c'est trop con. Ils sont en train de mourir. Putain, ma source d'eau. De toute façon, source d'eau on en a même plus besoin, je suis trop con. Je vais faire des barrières là. Ils font un peu. Il me fait peur le mouton, putain. J'ai entendu marcher, j'étais en mode ça y est. Faire attaquer là, j'ai rien à comprendre. Je voulais faire cette série, mais j'étais un peu en mode, bon, j'aime bien, mais après il y a ce côté répétitif où tu vas taper dedans, tu vois, en stream. Alors,
Du coup, je me dis, est-ce que... Oh! Dame! Ok, let's go. Du coup, c'est vrai que... le one block a level up. Je suis à 300 blocs minés, d'accord. Ah ouais! Trop cool. C'est trop marrant. Du coup, ouais, non, le truc, c'était vraiment... du coup, je voulais avoir votre avis. Du coup, bah, rien de tel qu'un petit sub-goal, faire le truc et dire, tiens, bah, vas-y, je lance une série. Puis bah, vous allez me dire, puis si ça vous plaît, bah voilà. Sinon, voilà, quoi. Ok, bah, du coup, on a du silver, du copper, de l'or. Ah oui, mais j'ai pas de fer encore. Alors, comment ça va se passer, là, pour le coup? Oui, du coup... Tant que j'ai pas de fer, c'est la baise, hein. Puis tu vois, en termes de bois, c'est encore un peu... c'est encore un peu la dèche, hein. Je peux pas te faire une pioche en cuve. Bah, je viens de débloquer tous les minerais, donc il faut que je les ai. Parce que là, pour l'instant, j'en ai un. Donc pour l'instant, il faut juste qu'à un moment que j'en trouve trois, quoi. Que ce soit du silver, du cuivre ou n'importe quoi. Donc là, pour l'instant, on va récupérer jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que mort s'en suive. Et quoi, en attendant, je suis obligé de miner avec une pioche en pierre. Faut que t'arrêtes de me regarder. Je refais autre chose. C'est du diamant. Oh, oh le seum. T'es en mode... Ouais, bisous. Oh le seum. On est en train de valider 800 succès, là. Oh là, par contre, ça, mon cerveau, il explose. Quand il y a autant de trucs à traiter, je suis en mode... Ouais, alors on va prendre... faire un, hein. Ouais, pas de problème. On a deux copper, on a deux de fer. J'ai gagné un de coal. Ouais, au pire. Allez. Allez, c'est cadeau, c'est pour la maison. 4 belles torches, regardez. Regarde ces belles torches. Des belles torches. Paf. Voilà. Faut que j'ai du matos. JPP de toi. Je vais te mettre dans un enclos. Arrêtez de me casser les couilles, hein. Du fer. Pourquoi vous me regardez comme ça, genre? Jure, j'ai insulté tes parents ou ça se passe comment? Ah, on a du charbon enfin. Ah, du fer! Let's go le fer! Putain, Chaos Quirt. Oh là là, tout ce qu'on a drop. Wow. Le bordel! Par contre, hop. Les botany pot. Je vais réfléchir si je fais des botany pot en fait, parce que vu que les arbres ils poussent quand même, hein. Bon, au revoir, hein. Au revoir, on va voir. Ok, nickel. Acquire hardware. Déjà, ne serait-ce que... Ça veut dire que là, s'il y a du diams qui pop... Attends, c'est abusé, je vais déjà passer au diamant. Mais ça va super vite, non? Est-ce que le jeu va super vite? Je trouve que je vais le finir ce soir, j'étais en mode... bah, en fait, c'était un mode... très rapide. Bon, je dis ça, je déconne, hein, je pense pas, mais... Bonne question. Alors, au niveau des quêtes. Waouh! D'accord. Pour chaque minerai que tu récupères le minerai équivalent. Je veux voir un peu les rewards quand même. Par contre, c'est vrai que c'est pratique. Ah, ok. Bon, parfait. 128 cobblestone. Ok. Oh, il y a masse de trucs qui te demandent. Putain. Uncased fan, etc. D'accord, il y a plein de trucs à faire. Trop cool. Oh! Ah, il faut valider aussi. What? En fait, chaque truc à ce niveau. Donc, ils disent qu'il y avait 11 phases. On a fait Flatland, Farmland. J'ai l'impression. Je sais pas. Je dis conneries. Eh ouais, il y a 11 phases dans le All-in-One. Hein. Du coup, là, on est à la 3ème, je crois. Je dis pas de conneries. Ouais, 387 mig. Alors, est-ce que à 400 on passe à la suite ou peut-être que là les blocs ça va être un peu plus. Attends, diams. Wow. Multi-or. Wow. Attendez. Non, mais je suis en train de me faire des trucs là. Mais par contre, les coffres. Yellowrium. D'extrême réacteur. Il y a extrême réacteur là, what the fuck. Non, mais il y a tellement de trucs à faire. Au début, tu récupères plein de trucs et après, tu commences à te mettre au boulot et là, tu te dis, oh, j'ai mal au crâne. Ça a pas l'air si court. Non, ça a l'air vachement long. Ça a l'air vachement long quand même. Non, ça va, hein.
Ah, en tout cas, c'est agréable. J'aime bien le petit truc. Après, je suis ultra fatigué, donc j'avoue que je vais pas être objectif. Mais c'est pour ça que je ferais pas traîner trop la série non plus, hein. Parce que j'étais en mode, bah, soit vous l'avez vu, on a fait un truc, et on se dit, ouais, ok, c'était marrant. Soit, bah, ce sera qu'un seul épisode, et voilà. Hop là, paf. Oh, miner tous les types d'or pour obtenir cette pickaxe. Ah, oh, bien. Ah, t'obtiens direct ça? D'accord. Ah, le rock cristal de Astral, d'accord. Il en manque un petit peu encore. Ah. D'accord. Du coup, eh ben, on verra si cet épisode, ce sera un épisode unique qui sortira. Voilà, de la découverte de All the One, et puis All in One, et puis peut-être que ça intéressera des gens, donc du coup, c'est toujours rigolo. Et peut-être que c'est le début d'une série, hein, évidemment, avec un peu plus en forme, parce que, bah, comme je l'ai dit, on est en live 24h, il reste 6h, ça fait 18h qu'on est en live. Donc forcément, je suis complètement claqué. Petite découverte, vous me direz ce que vous en penserez, évidemment, on va voir l'avis, déjà avec les viewers sur Twitch, et également sur YouTube, je pense qu'il y aura un truc. Voilà, des bisous, ciao à tous. Vous avez parlé live tous les soirs, 21h, 22h, évidemment. Le Minecraft, souvent, c'est le vendredi avec Moduction, et peut-être donc une autre série, du coup, on verra pour la date. Vous pouvez vous renseigner, vous avez tout dans la description. Des bisous, ciao à tous, et à la prochaine.